Regardez. Ah, bonjour, bonne arrivée. Merci. Nos ancêtres nous protègent toujours. Merci, ça va? Ça va très bien. Ça va vous? Ça va mieux. Mais vraiment, c'est bon, hein? J'ai de bonnes nouvelles pour toi. Oui. Peut-être ce n'est pas un secret que mon dernier fils aime ta fille Kouda et souhaite la marier. Que penses-tu de cela? Ça, c'est une bonne nouvelle. Comme le village le sait. Elle a la valeur de Moïse 12 bœufs. J'ai dit bien 12 bœufs. Hiye, moi Kouda, je ne veux jamais épouser un non-initié, puisque les femmes comme moi. Laran, je ne te refuse pas ma fille, mais une chose est sûre, amène ton fils à l'initiation, afin que Kouda, ma fille, et tout le village puissent le respecter, et qu'ils auront un bon mariage, un mariage comme ça. Je ferai de mon mieux, mais comment convaincre Luc et Jean qui aiment Jésus et sont plus respectés que le chef et moi? Partout où ils vont. Non, Laurent. Tu n'as pas assez de contrôle sur tes fils. Mais tu dois les forcer à se faire initier. Sinon, ils ne reviendront plus au village. Et ils seront faibles, faibles comme des femmes. Mordé. Mais comment fais-tu pour que tous tes enfants te respectent alors que les miens sont impossibles? Excepté Luc et Jean qui vont à l'église. Ha ha. Est-ce que tous tes enfants sont initiés? Non. Comment initier mes enfants alors que moi-même, je ne suis pas initié? Voilà les conséquences. Si je suis respecté aujourd'hui, c'est parce que je me suis fait initier. Et j'ai initié systématiquement tous mes enfants. Si tu veux être respecté, va te faire initier et initier tous tes enfants. Tout. Tu sais, oui, chérie, avant de commencer la prière de ce soir, je t'informe que l'initiation est en train de se préparer. Nous devrons demander à Dieu de nous aider dans l'éducation spirituelle de nos enfants pour ne pas les laisser aller dans l'initiation, car ils risquent d'être trompés par leurs amis. Merci, chérie. C'est notre devoir de les éduquer dans le Seigneur afin qu'ils marchent selon la volonté de Dieu. Oui. C'est bon de prier aussi pour eux. Prions. Bonsoir, papa. Bonsoir, les enfants. Bonsoir. Asseyez-vous. Nous commençons notre prière de ce soir par un cœur. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Toujours tout droit, sans reculer. Avant de prier, j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose. Il semble que l'initiation se prépare dans le village. Et vous devrez faire très attention. Car Satan et les mauvais esprits tendent des pièges aux enfants de Dieu. Les gens vont vous dire que sans aller à l'initiation, vous n'êtes que des faibles. Mais la parole de Dieu nous dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Christ Jésus. Ils vont essayer de vous persuader, vous mes enfants, et les enfants de Dieu, à vous détourner de Dieu et d'essayer de chercher la sagesse par la tradition des hommes, mais par notre foi en Dieu. Dieu nous donnera sa sagesse. Et sa sagesse dépasse la sagesse de tout chef qui soit sur cette terre. Et Christ connaît toutes choses. C'est une mise en garde. Car un chrétien ne doit ni adorer les idoles d'initiation, ni les autres idoles. Prions le Seigneur pour qu'il vous protège. Prions. Seigneur, protège nos enfants et délivre-les de la tentation. Amen. Amen.
Bienvenue, mes enfants. Merci, papa. Vous prenez place. Allez-y ce soir. Eh, oui, Lucie. Lucie. Oui, papa. Apporte à tes frères de l'eau à boire. Bienvenue, Jean. Merci, ça va? Bien. Bienvenue, Luc. Merci. Prenez, Jean. Comment bien passer les études? Ça va, papa. Bienvenue, mes enfants. Merci. L'esprit de nos ancêtres travaille. Ça tombe bien que vous êtes arrivés à un moment très convenable. Qu'est-ce qui se passe, papa? Ça va, vous? Ça va. Ok. Savez-vous que vous avez étonné les gens par votre conduite et le respect qu'on vous donne? Les gens voient que vous êtes calme et que vous respectez tout le monde. Effectivement. Vous êtes obéissant et très honnête. Merci, mes enfants. Mais il vous manque une seule chose. Ce serait quoi alors? Je ne sais pas. La fille de Murdé, Kouda, a refusé d'épouser votre frère parce qu'il n'est pas initié. Non. Et puisque les gens vous respectent, déjà, passez par le rythme de l'initiation pour connaître tous les secrets de nos ancêtres et être au-dessus de tout le monde. Si elle est à l'église encore, comment ça? Merci papa pour ta préoccupation pour nous. Nous nous respectons nous-mêmes parce que nous suivons les commandements de Dieu. La parole de Dieu dit qu'aucun homme ne peut servir deux maîtres. Effectivement. Il aimera l'un et haïra l'autre. Nous ne pouvons pas trahir notre Dieu pour aller à l'initiation. Père, Luc a raison. Nous ne pouvons jamais adorer les ancêtres qui sont morts, mais nous adorons seulement le Dieu vivant. Si vous ne venez pas à l'initiation, vous allez amener la honte sur moi et sur toute la famille. Cela ne vous dérange même pas? C'est ça que vous voulez? Père, nous t'aimons et nous te respectons. Et nous ne voulons jamais amener la honte sur toi. Mais nous devons avant tout obéir à notre Père Céleste qui donne la vie à ceux qui croient. Je vais à l'initiation dans une semaine. Si vous refusez de vous faire initier pour rester comme des femmes avec vos gens de l'église, je ne vous reconnais plus comme mes enfants. Comment ça? Quittez tout de suite ma maison. Sortez. Comment? Quittez tout de suite. Pardon, sortez papa, ma maison. Comment ça? Nous ne pouvons pas y aller. Sortez. Qu'est-ce qui ne va pas? Nous sommes tes enfants. On va aller où? Quittez ma maison. Tout de suite. Sortez. Pardon, papa. Tous et nous sommes toujours ensemble. Konga. Oui, tous. Tu sais bien la maladie de l'enfant à Jude Laudum. Là-bas, on m'inquiète. Que penses-tu cela? Ah, Tossé, tu sais que Jude est dur avec son Jésus. Son enfant sera guéri si on l'initie, mais il ne nous écoutera pas. Bonjour, Papa Konga. Bonjour. Comment ça va? Oui, ça va. Ça va bien. Nous venons de parler de la maladie de l'enfant de votre frère Jude. Oui. Ça tombe bien. Conseille à ton frère d'amener son enfant dans l'initiation. Sinon, comme Paul, ils seront tous malades et peut-être ils mourront. Ah bon? D'accord. Ainsi, nous allons aller chez le grand pour voir. Merci pour votre conseil. Oui. Bonjour, madame. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va. Et les enfants? Ça va, mais la maladie de Paul me coupe le sommeil. Vraiment, c'est une désolation pour toute la famille. Mais madame, où est le grand?
Voilà couché sous l'angle. Merci. Tu peux te reposer et on va le voir. D'accord. Bonjour, Laoudoum. Bonjour. Avancez. Qu'est-ce qui se passe? Prends. Nous sommes venus te voir pour le problème de santé de Paul. Mais avant que tu ne l'amènes à l'hôpital, où tu invoques ton Dieu de l'Église sur lui, nous voudrions nous rassurer si l'esprit de nos ancêtres ne soit pas en colère par manque de sacrifice. Après tout, ce sont les ancêtres qui nous protègent. Et la solution de la maladie de Paul ne se trouve ni à l'hôpital, ni à l'Église comme on t'a dit, mais ailleurs. Alors dis-moi, c'est où alors? Mais si on initie Paul, il sera parfaitement guéri de sa maladie. Ce n'est pas à toi d'initier. Nous savons que tu es de l'Église. Nous prendrons nous-mêmes la responsabilité. Ah oui, je crois que c'est une possibilité. Okay. Mais je crains la réaction de notre pasteur qui ne sait que mettre sous discipline. Toutefois, je vous donnerai le nécessaire. Seulement ne me dénoncez pas. Non, ne me dénoncez pas. Non, pas du tout. Non. Hey, Jude, tu n'as pas honte? Tu acceptes parce que tu n'as pas beaucoup prié pour lui. Malgré que tu as demandé aux autres de prier. Ou bien penses-tu que les idoles sont plus puissants que Dieu? Elle nous perturbe. Oh, non. Nous sommes initiés à ces choses. Mais, sache que ça doit coûter très cher. Une chose encore grand. Pour la mesure de prévention, on va initier complètement tout le reste des enfants. D'accord? D'accord. Merci. Mes enfants, je vous remercie d'être venus à cette rencontre de famille pour discuter les problèmes que nous rencontrons. Il s'agit de rechercher la santé de Paul, qui est souvent malade, ainsi que la prévention d'autres maladies qui nous guettent dans ce village. Et pour cela, nous ferons des sacrifices à nos ancêtres en colère. Toi, Kamola, oui. Va voir le grand frère pour le compte rendu de cette réunion. Merci. Je vous remercie. Rentrez en paix. Laran, comme tu es là, c'est le bon moment. Prépare-toi pour aller ensemble avec tes enfants. Et oh. Deviens un homme. Oh. Très important pour toi, Laran. Il faut profiter de cette occasion. Combien d'enfants seront initiés? 5 enfants, chef. Pour droit d'entrée, je prends 3165 francs plus 3 poulets par initié. Pour droit de sortie, je prends 10 litres d'alcool, une marmite de bilibili, 165 francs et 2 rasoirs par initié. Pour l'organisation familiale, j'ai 5 chèvres pour les 5 enfants, 3 sacs de mille et 5 poulets par initié. Ce lieu m'appartient. C'est le pouvoir qui m'a été donné. Tous les enfants qui doivent être initiés ici, que nos ancêtres les libère, qu'ils soient en paix. Maintenant, la cérémonie de raser les cheveux va commencer. Que les esprits de nos ancêtres soient avec les nouveaux initiés rasés. Yeah!
les Ngakak. Je le connais. C'est qui? C'est toi-même. Aïe, t'as dit ça? Hein? Toi, non. Aïe. Attends. On va aller trouver le chocolat. Ce poulet m'appartient. Ce n'était pas volé. C'est donné pour ce lieu sacré. Que les esprits reçoivent de mes mains en joie. Marthe, oui? Sais-tu que les enfants de notre ancien sont à l'unisation? Quoi? Ne me dis pas ça. Eh oui, ils ont acheté avec moi le nécessaire. Et Jeanne m'a dit que Paul et Enoch ont été à l'unisation. Paul? Oui, pour son maladie. Le pasteur doit être mis au courant. J'irai lui dire. Ça, c'est pour les initiés. C'est votre repas. Hein? Le bonjour, là, tu manges, on ne va pas te tuer. Nos parents ont initié ça, c'est pour manger. C'est dans la recette de Dieu, là. Il ne faut pas dévoiler. Tu es quelqu'un, il peut redonner la vie, là. Que la paix soit avec toi. Cette oignée d'huile de puissance de nos ancêtres, celui qui cherche à te faire du mal, dans 3 jours, lui-même il mourra. Que tu battes le tam-tam en paix, cette huile de puissance, cette oignée, si quelqu'un te cherche à te faire périr, lui-même, 3 jours il mourra. Commencez. Pas à l'église. Est-ce à cause de la maladie de Paul? Oh non. Les enfants sont partis. Où sont-ils partis? Chez le fameux docteur de Mundu? La santé de Paul se dégrade de plus en plus. Leurs oncles ont jugé mieux les amener à l'initiation. Donc nous avons honte d'aller à l'église. Désolé de t'écouter parler ainsi, Jude. Car on ne peut pas réclamer la foi en Jésus-Christ et suivre les choses des ancêtres en même temps. Ça, c'est l'idolâtrie. Et Dieu condamne l'adoration des idoles et des esprits. Jude,
Sache que être chrétien, c'est avoir confiance totale en Jésus-Christ, même dans les moments les plus durs. Il faut savoir également que Dieu n'épargne pas ses enfants des épreuves, mais il ne les y abandonne pas non plus. Nous allons prier pour que vous reveniez à Jésus. Ça, c'est mon enfant. Oui. Tu le gardes, tu le protèges. Tu lui donnes le nom de Laoudan. Laoudan. Le nom de son père, de son oncle. Toujours, moi, je ne t'oublie pas sur des choses comme ça. Merci. Toujours comme ça. Merci. Tu le gardes. Tu lui donnes le nom de Laoudan. 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 Garde-lui. Gardez-lui. Merci. Durant toute la cérémonie. Ça, c'est Laoudou. 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 Gardez-lui. Merci. Laoudou. Il est dépassé de l'alcool. Ah, bonjour le père. Salut. Bonjour maman. Bonjour. Salut. Bonjour. Luc, Jean. Bonjour papa. Comment vont les cours? Ça va. Êtes-vous content d'être venu pour les vacances? Oui, nous sommes contents. Fidel. Oui. Luc et Jean ont été bannis de leur famille. Parce que, en tant que chrétiens, ils ont refusé d'aller à l'initiation. Ils sont passés pour nous dire au revoir et quitter le village. Est-il vrai que vous avez été chassé de vous pour avoir refusé d'aller à l'initiation? Oui. Je comprends, mes frères, que parfois il n'est pas facile de suivre Christ. Effectivement. Nous serions honorés si vous restiez chez nous. Mais nous ne voulons pas vous créer de problèmes. Non. Votre présence chez nous sera un bon exemple pour nos enfants et pour tous ceux qui veulent suivre Christ. Allons chez vous. Merci. Avancez. Je viens effacer ma parole là maintenant. Laounan, oncle, il vous comptait voir. Et c'est net. 1165 francs. Pour un initié, non? Oui. Mais pour le reste, il vous comptait voir. L'argent ne mord pas le compter. Si tu as des valeurs à celui qui n'a pas passé l'initiation, dans 3 jours tu vas mourir. Tu sais, non? Oui. Il faut bien garder. Fois, si tu as dévalé là, 3 jours là, tu vas mourir. Tu sais, non? Oui. Combien de fois maintenant? Deux fois. Non. Bon, il nous reste une fois maintenant. C'est la fin, non? N'est-ce pas? Oui. Mais si tu sais, tu vas amuser avec ça, tu vas mourir dans 3 jours. Dire. Paul, je vais te dévoiler le secret de nos ancêtres. Tu dévoiles ce secret à un non-initié, soit qu'à une femme, à un homme, en 3 jours, on va t'enterrer. Tu as compris? Et si tu ne dévoiles pas, rien ne te fera. Que les esprits de nos ancêtres te protègent jusqu'à l'enfer. Lara, aujourd'hui, avec ton argent, avec ton poulet, je vais te détailler ce secret. Si tu dévoiles ce secret, dans 3 jours, tu serais mourir. Tu gardes le secret. Comme moi, j'ai gardé et je me suis vécu avec ça. Creuse le trou.
crache dedans. Qu'est-ce que tu as craché? Les offenses que j'ai crachées. C'est tes offenses? Oui. Ferme. Qu'est-ce que tu as fermé? Tape dessus. Qu'est-ce que tu as fermé? C'est ton tombeau. Moi, je détiens le pouvoir de la vie et la mort. Si tu dévoiles ce secret, dans 3 jours, tu vas mourir. Tu vas tomber dans la gueule des serpents venimeux. Au coup de tonnerre, il va te déchirer. Mais si tu ne dévoiles pas, que nos ancêtres te protègent. Creuse les trous. Crache dedans. Ferme. Tape dessus. Si tu dévoiles ce secret, dans 3 jours, tu vas mourir. Maintenant, vos pasteurs des églises vous trompent qu'il faut d'abord dévoiler le secret de l'initiation. Si tu dévoiles, soit ton pasteur, ta fiancée, ta mère qui n'est pas initiée, dans 3 jours, tu vas mourir. Autre alliance ancienne. Cette solution est composée de têtes de serpents, de salive des morts, des excréments et tout autre. Tu vas boire ces solutions. Bois. Si tu dévoiles, dans 3 jours, tu vas mourir. Ça va. Oui, oui, Noéma. L'esprit invisible, je ne le connais pas. Tu connais l'Ngaka? Non, je ne connais pas. Tu connais l'Ngaka? Oui, je le connais. C'est qui? C'est toi qui es en train de crier. Là. Ah bon? Ah bon? Oui, c'est lui là même. Tu le connais bien? Oui, je le connais, c'est lui. C'est là-bas qui est en train de crier. Ah, ton papa est là, demandez. Attendez. Ton enfant est en train de dévoiler le secret de nos ancêtres. Qu'en penses-tu de sa situation? Nous voulons une décision claire pour garder le secret des ancêtres. Il a dit qu'il connaît le Ngaka. Il connaît le Ngaka. Il a dit ça. Voilà. Allez-y. On va l'enterrer. Je me suis vengé maintenant contre ton frère. Et toi-même, tu as dévoilé que tu voulais le caractère. Voilà. On t'a enterré. Tout le monde. C'est lui qui va. Thank you.
Vous faites attention. On va vous tuer comme lui. Les gens sont très méchants. Oui, je comprends. Ils sont très méchants. Si on ne fait pas attention, ils vont nous tuer. Tous. Où irez-vous? Comment paierez-vous l'école l'année prochaine? Nous ne savons pas ce que nous ferons dans l'avenir. Mais nous savons que Dieu nous aime et qu'il nous guide et qu'il pourvoira tout ce dont nous avons besoin. Luc, es-tu encore en colère contre ton père pour ce qu'il a fait? Nous n'avons pas eu de la colère pour notre père, car nous comprenons son raisonnement. Nous prions pour qu'il apprenne à connaître l'amour de Christ. Nous prions aussi que son cœur ne s'endurcisse pas trop à l'initiation. Jean et Luc, nous vous admirons vraiment parce que vous voulez faire ce qui est juste. C'est seulement la puissance de Dieu qui nous aide à faire ce qui est bien. On vient de prendre Neba. Il faut aller dire à ses parents de venir la racheter. Très bien, ça c'est une bonne occasion de trouver de l'argent et de manger les viandes, boire de l'alcool. Kaka, on va beaucoup manger, hein? Bonjour. Bonjour, entrez. Un étranger. Oui, est-ce qu'il ne va pas? Je suis le papa de Neva. Ah, c'est votre fille qui était arrêtée alors? Oui. Votre fille est entrée dans le secret du domaine de l'initiation. Comme vous le savez, elle n'est pas de la famille. Vous devrez payer un rançon de 33 000 francs. En plus, 5 chèvres. Compris? C'est pour cela que je suis venu. Je sais que vous avez le pouvoir de la vie et de la mort. Exactement. Seul. Et c'est par ignorance que ma fille est entrée dans votre domaine. Je ne vais pas contester votre autorité. Ce qui est là, je n'aime pas les 5 chèvres. Je vais donner la valeur de, qui est de 25 000 et plus 33 000 francs. Ça va faire 58 000. J'ai le pouvoir de la vie et la mort. Cet argent appartient aux ancêtres. Ta fille est libérée. Désormais, ta fille est en bonne santé. Merci. Merci beaucoup, chef. Merci. Donne-moi à boire. Merci. Merci. Donne-moi à boire. Oui. Mais comment j'ai vu ta fille Kouda marcher avec l'homme bombé là? Kouda, ma fille? Kouda, ta fille? Kouda!
J'étais témoin oculaire. Là, c'est sûr. Tu l'as vu aussi. Elle est compliquée. Merci. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Kouda! Kouda! Oui, papa! Viens! Maintenant, je crois qu'il y a deux prétendants qui viennent ici. À ma connaissance, il s'agit de l'embombé et le fils de Laran qui a l'initiation. Tu préfères lequel pour le mariage, ma fille? Je préfère l'embombé, papa. Hmm? Qui préfères-tu? Hé, hey, Kouda, je ne veux pas que tu épouses ce type, car c'est à cause de toi que j'ai demandé à Laran de faire initier son garçon. Alors, si tu t'entêtes, je te dédie à l'initiation. Ma décision. Papa, ne me dédie pas l'initiation. Ne me dédie pas, ne me dédie pas. Papa, ne me dédie pas. Seigneur, nous te prions pour que tu protèges ton peuple et que tu le délivres de la puissance du malin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, tu es l'auteur de la vie et de la sagesse, et toutes choses viennent de toi. Fortifie ton peuple au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Murde, j'ai entendu dire que tu as dédié ta fille Kouda à l'initiation. Est-ce c'est vrai? C'est vrai parce qu'elle ne voulait pas m'écouter. Et c'est comme ça que je l'ai dédiée à l'initiation pour qu'on la corrige. Ça fait 2 semaines. Oui. Te rends-tu compte de la gravité de cette dédicace? Non. Ta fille est née pour se marier. La dédiée à l'initiation, ce n'est pas bon. Il faut la libérer. Quoi? Libérer la fille qui ne veut pas m'obéir? Non, excuse-moi. Écoute, Murdé, je sais que Kouda est l'unique fille. La dédiée à l'initiation se perd les 12 bœufs de dot. Il faut la libérer. D'accord. Je vais voir le chef pour cela tout de suite. Oui. Merci. Es-tu venu en paix? Comment vont mes petits biches? Je suis venu te voir parce que je suis fâché contre ma fille. Je viens te demander de la libérer. Les enfants de maintenant sont toujours comme ça. Comme tu as bien fait de venir m'en parler, comme c'est toi seulement, tu vas me payer 15 000 francs. En plus, une chèvre pour ceux qui vont m'aider. Compris? Comme c'est la saison sèche, il est très difficile de trouver les nécessaires, les éléments. Je t'arrive dans 1 semaine. Merci. Maintenant, le repas est fini. Il ne reste que à libérer la fille. Toi, Murdé, tu vas amener ta fille et on va la libérer. T'as compris? Merci, chef. Vite. On attend là. On va faire une discarde là. Aujourd'hui, là, elle va voir. C'est une chose donnée par confiance pour ma subsistance. Je ne l'ai pas arrachée. Comme c'est toi-même qui as dédié ta fille, on va commencer à faire. Comme toi-même, tu vas passer avant. Amène-le là-bas, on va faire. Va, amène-le là-bas, on va faire. Rapidement, on va passer. C'est moi. L'ordre, je veux partir. Non. Attendez, l'ordre, il va partir d'abord. On va faire fatigué aujourd'hui. Mais il faut la faire coucher. Normalement.
Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je vois que l'Église est en danger. Les menaces de Satan sont assez fortes ces derniers jours et nous devons agir. Il y a même certaines familles parmi nos anciens qui se sont laissées emporter par ces pressions et nous devons nous mobiliser. Ainsi, mobilisons-nous pour rechercher les âmes perdues. Alors, avant de commencer notre programme, nous aimerions confier cela au Seigneur par la prière. Et prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous te confions ce programme de lutte pour que tu ramènes les âmes perdues à toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour, pasteur. Bonjour. Avancez. Bonjour, Jude. Bonjour. Ça va? Ça va. Comment allez-vous? Ça va dans l'ensemble. Mais depuis 3 mois, la santé de Paul se dégrade de jour en jour. Même après les rites de l'initiation. J'ai dit à son père d'aller vous demander de venir prier avec lui. Mais il ne m'a pas écouté. Je ne sais que faire pour le moment. Je ne veux pas que mon dernier enfant meure. Paul, du calme. Mon fils. Du calme. Ne pleure pas. Ne pleure pas, ma soeur. Ne pleure pas. Dieu est prêt à te pardonner. Si tu lui ouvres ton cœur en lui demandant pardon. C'est un combat pour moi, car mes frères m'ont rendu la tâche difficile. Vous allez penser que je suis complice de cela, mais je ne suis pas dedans. Toutefois, je demande pardon à Dieu pour cela. Jude, tu es responsable de cela et même de la mort de ton fils Enoch. Car personne ne peut obliger tes enfants à faire quoi que ce soit sans ton avis. Parce que c'est toi qui rendras compte de leur éducation à Dieu. Mais s'il y a repentance sincère, Dieu lui-même va restaurer Paul. Pasteur, ce que tu dis est vrai. Quand mes frères sont arrivés, je leur ai donné le nécessaire et j'ai pensé casser cela. Il est vrai que Dieu connaît toutes choses. J'ai péché contre Dieu en laissant mes enfants adorer les idoles. Que Dieu me pardonne. En tant qu'ancien, j'étais un mauvais exemple pour les autres. Pardonne-moi. Votre arrivée n'est pas un hasard.
Nous avons vu l'initiation comme si c'est le vrai chemin du salut. Moi, j'ai mal agi. Que Dieu me pardonne. J'ai régné sa puissance souveraine en soutenant mon mari dans l'initiation. J'ai obéi mon mari plus que mon Dieu. Que Dieu me pardonne. Nous avons suivi bêtement nos parents dans l'initiation. Je sais que c'est là-bas, Mordi et Kamula qui sont Lingalaka. On dit qu'on tue avant de redonner la vie. Mais c'est faux. Mon frère Enog a été tué par méchanceté. Et voilà, on ne peut plus le réveiller. On nous fait des choses horribles, telles que forcer aux actes sexuels. Chicoter durement. Et on nous défend de dévoiler. L'initiation ne donne pas la vie. Elle prend seulement la vie. C'est juste une imitation de la vie chrétienne. Dans quel sens? Maintenant, je comprends. Dans la vie chrétienne, on est mort spirituellement. Et on devient une personne nouvelle, capable d'obéir à Dieu avec un nouveau nom dans le ciel. Et on devient maintenant enfant chéri de Dieu. C'est ce que l'initiation imite sans succès. Elle nous rend moins humains, pas plus humains. Je suis allé chercher la guérison, pensant que les morts pouvaient me donner la vraie vie. Il n'y a qu'un seul qui peut nous donner la vraie vie, et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le vrai homme n'est pas celui-là qui va à l'initiation, mais c'est celui-là qui se confie en Jésus-Christ. Car à l'initiation, l'homme doit mourir lui-même pour ses offenses, alors que le Christ est mort à la place du chrétien. Et c'est ça qui fait la différence et fait la joie d'être chrétien. J'ai trahi mon Dieu. Qu'il me pardonne au nom de Jésus. Paul, tu es pardonné. Rappelle-toi que quand tu confesses tes péchés, Dieu est fidèle et juste pour te pardonner tout péché et de l'injustice. Ah, quelle joie! Incroyable! Mère, Père, je suis pardonné. Je sais qu'en tant que chrétien, je n'ai plus peur de la mort. Et quand je vais mourir, je serai avec Jésus. Rien n'est mieux que cela. S'il te plaît, maman, ne t'inquiète plus pour moi si je meurs. Sois heureuse, car voir le visage de Jésus sera ma plus grande joie. Je suis maintenant convaincue plus que jamais que Paul souffre d'un cas de tuberculose avancée. Et avec votre permission, nous pouvons trouver des médicaments pour le traiter. Merci. Avec des médicaments et la prière, nous prions que Dieu va mettre sa main guérissante sur lui. Merci. Ceci étant, que le Seigneur vous bénisse et à nous revoir. Merci. Merci. Son prêt. Au revoir, madame Pastor. Au revoir, madame Jude. Au revoir, Pastor. Au revoir, monsieur Jude. Au revoir et à la prochaine. Nous bénissons ton nom, notre Dieu, et te prions d'agir dans la famille de Jude pour les affermir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Notre Dieu, nous prions également que tous ceux qui sont retenus captifs, tu les délivres et les ramènes vers toi au nom de Jésus. Amen. C'est quoi? Il faut pas l'envoyer gravement malade. Il vous appelle vite, sinon il va mourir. Bonjour papa, qu'est-ce qui se passe? Mes forces m'abandonnent.
je suis troublé dans mon esprit. Tous mes actes commis lors d'initiation se présentent toujours devant moi. Et c'est comme si quelqu'un me juge par rapport à cela. Aide-moi, mon fils. J'ai peur de ce jugement. Je ne peux rien, mais il y a un seul maître, Jésus, qui a donné sa vie à la mort pour payer le salaire des péchés de ceux qui croient en lui. J'ai beaucoup de mauvaises choses dans ma vie. Tout ce que j'ai fait au nom d'initiation, je vois que j'ai mal fait, puisque j'ai forcé les gens à croire aux fétiches, aux idoles et aux ancêtres en ignorant le Dieu Tout-Puissant. J'ai péché. Tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais si tu confesses le Seigneur Jésus et tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé et il te ressuscitera lui-même. Et c'est ça seulement que je dois faire pour être sauvé. Tu dois mettre toute ta confiance en Jésus seul. Jésus, je crois en toi. Seigneur Jésus, je t'accepte. Viens habiter dans mon cœur. Oh, je sens comme si le poids de mon péché m'a été enlevé. Pasteur, prends les fétiches et brûle-les. Non, ne brûlez pas les fétiches. Je brûle cela au nom de Jésus-Christ. Okay, au nom de Jésus-Christ, ce pouvoir doit être brisé par le sang de Christ. Jésus a pouvoir, tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Aucune puissance ne peut résister devant la puissance de Jésus. Gloire à Dieu. Au nom de Jésus, tout ce pouvoir doit être brisé. Désormais, mets toute ta confiance en Jésus seul et il t'aidera. N'espérons plus que le Seigneur te bénisse, papa. Merci. Il va mourir. Cherchez les enfants pour amener mon lit dehors, afin que j'explique aux autres ce qui m'est arrivé. Tout ce que j'ai fait au nom d'initiation, c'est faux. Aidez-le seul. Et sortez son lit dehors. Il va mourir seulement. Il va mourir seulement. S'il vous plaît. Tu as tout donné. On t'a trompé. Amenez-moi dehors. Passez la trompée. Dieu est puissant. Dieu a le pouvoir dans les cieux et sur la terre. Je loue le Seigneur de ce qu'il a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Et nous voudrions, sur l'autorisation de notre Père, brûler tous ces fétiches à son demande. Que tout ce qui est là, nous prenons autorité sur cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Je me suis senti libre. Je ne me suis jamais senti aussi libre quand j'ai suivi les ancêtres. Vous, mes amis, ma famille, il veut nous parler. Vous devrez aussi être libre et suivre Jésus comme moi. C'est ça que soit aussi. Là où tu es trompé par le pasteur. Il est dans l'inconscient. Moi aussi je vois. Parce que nous étions ignorants pour adorer le Dieu de nos ancêtres. Moi, Dieu est le Tout-Puissant. J'enlève mes grecs. Au nom de Jésus-Christ. On n'accepte pas. Que ce sac soit brûlé. Non, je sais pas ça. Au nom de Jésus. Non, attention. N'enlevez pas vos fétiches. Qui va vous protéger contre les mauvais esprits? Qui va vous guérir? Les ancêtres seront mécontents contre vous maintenant. Pasteur, c'est un menteur. Moi aussi, pasteur. N'enlevez pas vos fétiches. Qui va vous protéger contre les mauvais esprits? Au nom de Jésus-Christ, nous prenons autorité. Grand-père. Maintenant que tu suis Jésus, je suis tellement content. Tu ne vas jamais regretter de le suivre. Merci mon fils. Notre papa s'est trompé seulement. Merci mon fils. Aya ya
Thank you.